arriver. C'est ici. C'est ici chez toi? Ouais, c'est ma maison. Putain, elle est grande. Bof, c'est une maison. Oui, bah t'as jamais vu la mienne, hein. C'est un cabanon. Hein. Exagère pas non plus. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois te laisser, je suis pressé. Ok, bah merci de m'avoir accompagné du coup. Bah c'est normal. Tu as le droit de sortir, Timothée, tu sais. J'arrive pas. De quoi, tu veux plus me quitter, c'est ça? Non, ça va partir. De quoi la portière? C'est fermé. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma portière? Elle veut plus te laisser partir, c'est ça? Non. Tu te fous de moi là? Tu sais, il faut juste tirer la poignée vers toi. Regarde, comme ça. C'est quoi ce délire? Je l'avais dit. Attends, je vais déverrouiller et verrouiller les portes. Putain, c'est quoi cette voiture de merde? Ouais, j'avoue, c'est une voiture de merde. Désolé, ta voiture est superbe. Bon, je vais essayer d'ouvrir les portes derrière. Putain, ça s'ouvre pas! Si, ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas! Arrête, ça sert à rien! Mais non, ça s'ouvre pas. On va devoir péter une vitre. Mais t'as pas intérêt! J'ai pas envie de mourir dans une voiture, moi. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais qu'on meure? Si on n'arrive pas à sortir. On va mourir dans une voiture, moi. T'es con quoi? D'ici là on sera sorti, faut juste qu'on trouve un moyen. Les fenêtres. Ouvre les fenêtres. Mais oui, mais putain, mais on est bête en fait. T'es bête, bon, moi je suis pas, je l'ai pensé. Oui, enfin tu m'as compris. C'était juste pour qu'on soit d'accord, parce que je suis intelligent. Bah d'ouvre. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Bah qu'est-ce que t'as dedans? Bah elle veut plus démarrer. Bon, on va mourir. Oh putain, t'es lourd avec ça, sérieux. On va geler? Oui, mais c'est bon, il fait pas si froid que ça, on n'est pas en Russie quoi. Du coup, on va faire quoi? Bah j'en sais rien, je réfléchis. Surtout prends ton temps, hein. Oui, bah t'as qu'à proposer aussi, toi. Bien proposé. Oui, bah une autre idée, un autre truc, je sais pas. Je vois. Quoi? Qu'est-ce que tu vois? Le volant. Je te comprends pas là. Bah klaxonne pour appeler les secours. On n'a pas le droit de klaxonner dans la ville, c'est dans le code de la route. Bon, on s'en fout, on est coincé. Non, je peux pas, c'est dans le code de la route, j'ai pas le droit. Non, non mais arrête. T'es fier de toi? Ouais, c'était plutôt plaisant. Oui bah on n'est pas plus avancé là, hein. Eh, regarde, non, regarde pas. Quoi, qu'est-ce que t'as vu? Non. Putain, tu le connais lui? C'est mon voisin. Il fait peur. Ils m'ont dit qu'il a fait des années de prison. Quoi? Vas-y, va le voir. Non. On dirait qu'il essaie de parler. Il parle pas. Mais comment il communique alors? Langue des signes, du coup. Donc on ne peut pas comprendre en fait. Non, il fait vraiment peur là. Il va nous tuer, il va nous tuer. Arrête, c'est quoi ton problème avec la mort toi? Il va nous tuer, où c'est qu'il est? Il est où? Il l'a pas derrière. On va brûler, là il est en train de prendre un bidon d'essence, il est en train de nous brûler, c'est sûr. Eh, tu dis n'importe quoi. Si on est mort, on brûle. Putain, on est en train de brûler là. Et dis-moi, il a fait de la prison pourquoi ton voisin exactement? Il a brûlé vif sa femme et ses deux enfants dans sa voiture. Quoi? Mais il est plus en prison? Et pas cette preuve, il a pris seulement 2 ans.
Et tu penses qu'il... Putain, tu penses qu'il pourrait recommencer? Ouais, qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est où? Ah, il va nous brûler! Je serais trop jeune pour mourir! Non, il faut qu'on appelle à l'aide! Allez, allez, au secours! Aidez-nous! Au secours! Tu l'as tué? C'est pas moi! Viens. C'était pas du gazole, c'était de l'huile. Est-ce qu'il voulait nous brûler à l'huile? Mais arrête tes conneries, il voulait nous aider. Fais quoi? Monte. On va aller faire un petit... Un grand tour plutôt. Ouais, parce que sinon on va se faire prendre. Se faire prendre par quoi? Tu veux vraiment qu'on fuit? Non, non, on va pas fuir. On va juste aller se balader le temps qu'il se réveille.